sur les réseaux sociaux, un ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste a annoncé qu'il allait animer une émission sur les ondes. Jeudi 23 juin 2022, Cyril Hanouna présentait le dernier numéro de la saison de Touche pas à mon poste, sur C8. Avant de partir en vacances, l'animateur et producteur s'était fendu d'une grande annonce concernant l'avenir de l'émission. Après une saison couronnée de succès au niveau des audiences, le papa de Lino et Bianca avait savamment entretenu le suspense quant au futur de TPMP. L'émission phare de C8 allait-elle rester sur la chaîne ou s'inviter sur une autre? Sachez qu'il va se passer énormément de choses qui ont été proposées. Je peux vous dire aujourd'hui que Touche pas à mon poste et ma personne seront sur C8 pour la saison 2022 à 2023. Également pour la saison 2023 à 2024. Également pour la saison 2024 à 2025. Et également pour la saison 2025 à 2026, s'était-il réjoui. Sans nul doute, l'émission pourra compter sur sa bande de fidèles chroniqueurs à la rentrée. Quelques nouvelles têtes devraient toutefois rejoindre l'équipe. Le chroniqueur sportif Gilles Favard, qui s'est illustré en fin de saison par deux clashs mémorables avec Gilles Verdez, a notamment confié avoir été approché même s'il n'est pas certain d'accepter. Quand je vois ce que fait Gilles Verdez, ce n'est pas très brillant. Je n'ai pas envie de devenir comme lui, a-t-il réagi. Quoi qu'il en soit, un autre ex-chroniqueur a annoncé une bonne nouvelle samedi 16 juillet. Le médecin Jimmy Mohamed a informé sur les réseaux sociaux qu'il avait été recruté pour animer une émission santé à la radio. Une grande nouvelle pour la rentrée. J'ai la chance et l'honneur d'animer une émission santé sur France Bleu avec Géraldine Maire, je serai de 15h à 16h en direct. Hâte de vous retrouver, s'est-il enthousiasmé. Un horaire qui devrait toutefois lui permettre d'intervenir toujours dans Touche pas à mon poste, de manière ponctuelle.